Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo tuto qui va nous permettre de comprendre l'utilisation de la fonction somme. Cette fonction, elle va nous permettre de calculer la somme de plusieurs valeurs. Ici, avec cet exemple, on a des commerciaux qui ont fait des chiffres d'affaires pour les 4 trimestres. Et là, nous, ce qu'on veut ici, c'est calculer le chiffre d'affaires total pour chaque commercial. Je vais utiliser ma fonction somme. Je fais égal somme. Et là, je vais choisir la fonction somme ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est soit prendre les valeurs une par une, point virgule, ou plus rapidement, juste sélectionner les quatre valeurs. Sélectionner les quatre valeurs. Là, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur l'entrée. Et tout ce que j'ai à faire pour appliquer la formule pour les autres commerciaux, glisser ma formule vers le bas. C'était tout pour la fonction somme. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction.